pour moi de vous recevoir dans ce bel écrin de verdure pour vous présenter nos bijoux culinaires et plus précisément celle que l'on considère comme la reine des épices, la vanille de Madagascar. Je me permets pour commencer de faire un petit retour en arrière pour vous raconter la genèse de ce qui nous réunit aujourd'hui. Fin des années 2000, je me retrouve pour diverses raisons à passer beaucoup de temps dans un petit village de brousse du nom de Saranjan dans le nord-est de Madagascar. Ce petit coin de brousse vit au rythme de la vanille. C'est avec Mia, un notable du village, que je passe beaucoup de temps et que je me retrouve à devoir prêter main forte pour les tâches quotidiennes de la vanille. D'abord, celle qui ne nécessite pas de compétences particulières, porter des barrières de vanille pour les étaler au soleil, puis les rentrer dès les abassarés. Je me retrouve ensuite assis à la table de triage. Petit à petit, on me fait sentir les vanilles pour pouvoir justement différencier celles qui nécessitent encore d'être travaillées de celles qui peuvent entrer en phase d'affinage, un peu comme le vin dans son tonneau qui mûrit avec le temps. Dans ces conditions, je me suis fait un nez, qui par la suite m'a permis de pouvoir acheter, affiner et revendre mes premiers lots de vanille. D'abord pour alimenter les hôtels de la capitale et les zones touristiques de Madagascar, puis petit à petit j'ai trouvé des débouchés à l'export, de l'industrie à destination de l'industrie agroalimentaire, la qualité des produits sélectionnés faisant foi. C'est en 2015 que j'ai rencontré monsieur Frédéric Dalmati du Monaco Ressources Group, qui nous fait l'honneur d'être ici parmi nous aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous avons décidé de poursuivre les prémices de cette aventure, en souhaitant s'intégrer verticalement dans la filière vanille. Ainsi, depuis 2015, notre stratégie a été de développer nos propres plantations de vanille, les plantes aromatiques, tout en travaillant parallèlement avec les coopératives paysannes voisines, pour proposer à nos clients une vanille avec une traçabilité irréprochable. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir obtenu les certifications internationales bio et fair trade qui valident ainsi notre engagement sustainable dans cette filière. Pourquoi l'île Maurice aujourd'hui? Un souhait personnel avant tout, je dois le reconnaître. Les enfants grandissent vite et est arrivé le moment où la scolarisation de ma fille était une nécessité. Et donc c'est sur cette île de l'océan Indien que vous ne connaissez que très peu que j'ai souhaité poser mes valises avec ma famille pour assouvir ma soif de découverte et ma curiosité. L'île Maurice présente bien entendu des avantages certains pour les activités historiques que nous menons, à savoir l'export de vanille vers l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Que ce soit la qualité des ressources humaines rencontrées et les facilités logistiques par le biais du port franc, c'est une place stratégique pour rayonner sur l'océan Indien et pour mener de nouveaux projets sur d'autres îles de la région. Le projet de s'implanter sur le marché local mauricien pour toucher les professionnels et les consommateurs finaux était dans les cartons depuis quelques années. C'est une petite anecdote lors de mon arrivée à Maurice qui m'a poussé à la concrétiser. Je suis arrivé à Maurice par le biais d'un vol rapatriement entre Madagascar et l'île Maurice. Je n'ai pu emporter en tout et pour tout que 20 kg de bagages avec moi. Et quand je suis arrivé ici, il a fallu que j'aille pour voir vos premiers besoins de nécessité qui pour moi sont les épices pour pouvoir aromatiser un petit peu mes plats. Donc je me suis retrouvé à devoir acheter du poivre produit au Vietnam, conditionné en Afrique du Sud, vendu sur le marché mauricien. Et je me suis donc dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec les produits de Madagascar. À l'heure où le Covid nous fait réaliser que nous devons repenser nos modes de consommation, se recentrer sur tout ce que l'on appelle le commerce de proximité, du champ à l'assiette, il nous est apparu opportun de lancer ce projet au sein des Mascareignes et privilégier ainsi une certaine proximité régionale. L'île Maurice attire plus d'un million de touristes par an. La demande d'une démarche durable est de plus en plus forte chez les voyageurs. Il est important que les produits régionaux puissent être les étendards de ces valeurs qui s'inscrivent dans un développement durable. Madagascar pourrait être le grenier de l'océan Indien. C'est aujourd'hui la première phase qui se concentre sur les produits que nous travaillons déjà depuis quelques années. Vous trouverez donc des poivres, du blanc, du noir, du vert, le fameux voici perfier, qui est le poivre sauvage de Madagascar, le baie rose, la cannelle, la noix de muscade, le gingembre, le zeste de combava, le cacao, le beurre de cacao, les gousses de vanille, la poudre de vanille, ainsi que le caviar de vanille. Nous ajouterons bientôt d'autres produits phares de Madagascar, comme le riz noir, le foie gras, le café, et d'autres saveurs qui seront à découvrir dès que les formalités administratives et logistiques seront résolues. Comme vous avez pu le constater, une petite exposition photo complète cet éveil d'essence. Je me permets d'ajouter quelques mots. Il s'agit de photos prises lors de mon séjour à Madagascar, autour d'Antala, qui est donc la capitale mondiale de la vanille. J'espère pouvoir relever à travers elle tout le charme de la région et cette épice que j'affectionne tant. À l'occasion de cette journée et pendant une semaine, nous vous offrons un tarif préférentiel sur tous les achats et toutes les commandes que vous pourrez passer.
afin que vous puissiez mettre à l'honneur dans vos établissements ces produits des cinq frères et faire vibrer la marque dans les palais mauriciens. Je ne souhaite pas retenir votre attention plus longtemps et je vais laisser notre chef prendre le relais en venant titiller vos papilles gustatives avec ses épices dans des mules sélectionnées pour l'occasion. Vous retrouverez sur chaque table les épices qui sont mises à l'honneur afin que vous puissiez en apprécier l'odeur délicate. Honorables invités, mesdames, messieurs, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée et je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie.